Attaque 1700. Tu peux invoquer un monstre. Attention, il doit avoir une attaque plus élevée de 1500. De cette façon, tu peux attaquer le monstre de ton adversaire et le détruire avant qu'il ne t'attaque. Main phase 1. Battle phase. Il est con l'attaque. Bah oui. Pff. Oh là là. Mais si tu n'as pas de monstre avec une attaque plus élevée que tu fais et que tu en invocation, tu en invoques un avec une attaque plus faible, il sera détruit au prochain tour de ton adversaire. Et en plus, la différence sera déduite de TLP. Enfin, ça pourrait être qu'on pourra faire quoi. Oh, on va dormir celle-là. Ouf. Si tu poses au lieu d'invoquer et place ton monstre en position de défense dans ta carte, zone carte monstre, même si ton monstre est détruit par une attaque, tu ne subiras aucun dommage. Excellent, parfait, c'est une réponse superbe. Quand un monstre en position de défense est détruit, tu ne subis aucun dommage. C'est un point très important. Ok, j'ai pigé. Et comme la carte est face verso, quand tu la poses, ton adversaire ne connaît pas la défense du monstre. C'est bien ça. Donc si tu poses un monstre avec une défense élevée, tu peux même infliger des dommages à ton adversaire quand il attaque. Exactement, dans l'exemple cité par Alexia. Il y a un monstre avec une attaque de 1500 dans la zone carte monstre de l'adversaire. Si tu as un monstre avec une défense de plus de 1500, tu peux simplement utiliser l'option poser. J'ai même pas le temps de voir ce qu'il a posé. Putain, c'est chiant. Standby phase. Dans cet exemple, la défense est de 2000. Comme l'attaque est de 1500, le joueur attaquant subit 500 dommages. C'est bien ça, de toute façon, il ne peut pas le savoir et normalement, il ne voit pas la carte. Les cartes posées étant face à ton adversaire, ignore la défense de ton monstre. S'il ne fait pas attention à l'attaquant, il peut se retrouver à subir des dommages au lieu d'en infliger. Attendez une minute, alors on peut poser nos cartes face verso en attaquant aussi? Non, 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 c'est contre les règles, tu ne peux pas non plus placer des cartes face recto quand tu poses. Sur la zone carte monstre, place les cartes face recto quand tu invoques et face verso quand tu poses. Voilà la règle. Et comme je l'ai déjà dit, si une carte face verso est attaquée, elle passe face recto et c'est définitif, ne l'oublie pas. Une dernière chose, si c'est ton tour, tu peux changer la position de chaque carte monstre, mais une seule fois par tour. Profites-en pour modifier tes positions d'attaque et de défense ou vice-versa. Je vais rentrer dans les détails. Charlie, finis ton tour s'il te plaît. Oui, monsieur. À toi, Alex Kitt. Oui, monsieur. Sélectionne un monstre et choisis invocation retournement. Ça, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, mais tu fous le texte et je vois pas ce qu'il y a écrit aussi. Les monstres de Alex Kitt est désormais en position d'attaque. Voilà comment on change la position d'un monstre. Il faut absolument retenir cette tactique quand tu combats en duel. Si ton adversaire n'a pas de monstre dans sa zone carte monstre, tu peux mettre les tiens en position d'attaque. Dommage assuré. Attention. Une fois que tu as modifié la position d'un monstre, tu dois attendre le prochain tour si tu veux encore la changer. Donc si tu prends un monstre avec une faible attaque et que tu le mets en position d'attaque, il peut être visé au prochain tour de ton adversaire. N'oublie pas ça. Bon, je vais pas oublier, t'inquiète pas. Aujourd'hui, on a poursuivi notre étude des fondamentaux du duel. Eh oui. En apprenant les positions des monstres, il est temps de récapituler. Position des monstres. Les monstres dans la zone carte monstre peuvent être dans une ou deux positions. Position d'attaque verticale, position de défense horizontale. Tu peux attaquer avec tes monstres en position d'attaque pendant la battle phase. Après une attaque, l'attaque indique le gagnant. Si tu gagnes, le monstre de l'adversaire est détruit et les dommages restants sont déduits de CLP. Si tu perds, le même sort est réservé.
Tu peux attaquer avec des monstres en position de défense pendant la battle phase. Après une attaque, la défense indique le gagnant. Si tu gagnes, le monstre de l'adversaire n'est pas détruit, mais les dommages restants sont déduits de CLP. Si tu perds, le monstre est détruit, mais tes LP restent intacts. Invocation. Consiste à placer un monstre en position d'attaque. Pause. C'est mettre un monstre en position de défense. Sa carte est alors face verso sur le terrain. Tu peux placer un seul monstre par tour, que ce soit en invoquant ou en posant. Les cartes pose face verso peuvent être retournées. Si l'adversaire attaque cette carte, si tu mets la carte en position d'attaque, forcément face recto. Ou si la carte est attaquée par une autre carte avec un effet qui entraîne son retournement, la position d'une carte peut être modifiée une fois par tour. Mais les cartes qui ont été placées face recto ne peuvent plus être face verso sauf cas spécial, comme une carte avec un effet spécial. Pendant qu'on y est, revoyons comment détermine le gagnant d'un combat. Attaquer un monstre en position d'attaque. Première partie. Compare l'attaque du monstre offensif avec celui du monstre attaqué. Attaquer un monstre en position d'attaque. Deuxième partie. Si ton monstre a une attaque plus élevée, le monstre de l'adversaire est détruit et envoyé au cimetière. La différence entre l'attaque de ton monstre et celle de ton adversaire est déduite de tes life points. Des life points de ton adversaire. Attaquer un monstre en position d'attaque. Troisième partie. Si le monstre de l'adversaire a une attaque plus élevée, ton monstre est détruit. Sauf qu'il faut être con déjà. Faire ça. Ton monstre est détruit et envoyé au cimetière. La différence entre l'attaque de ton monstre et celle de ton adversaire est déduite de tes life points. Bon, con, on va pas dire ça parce que ça peut avoir certaines utilités selon les effets des monstres aussi. Hein, faut prendre tout en compte. Attaquer un monstre en position d'attaque. Quatrième partie. Si les deux attaques sont égales, les deux monstres sont envoyés au cimetière et les life points de tes deux joueurs restent intacts. Ça aussi, ça peut être pas mal. Attaquer un monstre en position de défense. Première partie. Compare l'attaque du monstre offensif avec la défense de l'attaqué. Ouais, on va passer un peu ça. Attaquer un monstre en position de défense. Deuxième partie. Si ton monstre a une attaque plus élevée que la défense du monstre de ton adversaire, le monstre de l'adversaire est détruit et envoyé au cimetière. Les life points des deux joueurs restent intacts. Attaquer un monstre en position de défense. Troisième partie. Si la défense du monstre de ton adversaire est plus élevée que l'attaque de ton monstre, aucun des monstres n'est envoyé au cimetière. La différence de l'attaque de ton monstre et la défense du monstre de ton adversaire est déduite de tes life points. Alors, quatrième partie. Si la défense de l'adversaire et la tienne sont égales, aucun monstre ne va au cimetière et les life points des joueurs restent intacts. Des questions, j'espère que tu as tout retenu. C'est tout pour aujourd'hui. Bah oui, j'ai retenu, t'inquiète pas. Mince, j'ai oublié de vous dire encore, ouais. Il est hors de question que je vous fasse cadeau de ces decks. Rendez-les moi. Ah putain, la musique se termine, merci. Elle commence à me saouler un petit poil. Hein. Faut être méchant, mais elle est un peu casse-pipi, casse-bonbon. Alors, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci. En cadeau, je vais donner une carte à tout le monde. C'est la carte d'élu. Vous avez obtenu la carte Tacriminos. Vous avez obtenu la carte Yozub. Édite ton deck pour voir la carte que je t'ai donnée. Utilise ton PDA pour aller dans la modification du deck. Modification, chaque étudiant possède un PDA. Ah putain. Le PDA est un ordinateur de poche. Il dispose de nombreuses fonctions très utiles. Putain mais faut combien de temps encore là ? Dispose de nombreuses fonctions très utiles. Ah ben, je vais être obligé de couper l'épisode en deux. Ce sera plus facile pour vous pour le regarder. Appuie sur carré pour utiliser le PDA. Le PDA dispose des fonctions suivantes. Menu deck et deck pour les duels. Voir le stock text. Duel, il va lire le courrier de ta boîte de réception. Calendrier, vérifier les événements à venir sur le calendrier. Option, changer les paramètres du jeu. Quitter le jeu, quitter la partie et retourner au menu principal. Pour éditer ton deck, comme l'a dit le Dr. Crawler, appuie sur carré pour allumer ton PDA. Sélectionne menu deck, puis modification du deck. Alors, menu deck. Hop, modification du deck. Je me demande ce que j'ai comme carte au fait dans l'histoire. Confirme. Commande de modification de l'éditoire.
Oh là, putain, encore un truc. Je pense que tu as dû jouer un certain nombre de duels maintenant. Pendant ces duels, tu as pioché des cartes de ton deck. Tu peux modifier le deck de la façon que tu veux. Tu peux modifier ton deck ici grâce à l'écran de modification du deck. Regardons comment tu peux modifier ton deck. Les cartes sont classées en plusieurs catégories. Regarde ces onglets pour voir dans quelle catégorie les cartes se trouvent. Sélectionne l'onglet deck pour voir les cartes qui sont actuellement dans ton deck. Vas-y, jette un coup d'œil et appuie sur la touche haut et bas pour aligner le curseur deck avec deck et voir quelle carte ici trouve. Ouais, bah ça j'ai vu, c'est bon maintenant. Je parie que les cartes de ton deck sont celles que tu connais déjà et que tu as utilisées en duel. Lors d'un duel, les cartes affichées ici sont mélangées et utilisées pendant le duel en tant que deck. Maintenant, regarde l'onglet coffre. Le coffre contient toutes les cartes que tu as acquises jusqu'à présent. Coffre, avion, héros, élémentaire. Arrête de clignoter, t'es chiant! Voilà, toutes les cartes que tu as achetées au magasin de cartes d'Académie ou celles que tu as acquises d'une autre. Ah, je me ferais bien un duel avant de terminer la journée. Pas là dans cette vidéo là, mais pour la prochaine journée jeu de cartes, hein, je vous ferai ça avant de tamer, la troisième journée de cours. Passe conservé dans le coffre. Lorsque tu modifies ton deck, tu devras déplacer tes cartes entre ton deck et le coffre. Appuie sur la touche carré pour changer d'onglet. Examinons les onglets fusion et secondaire placés entre le deck et le coffre. La chose importante à retenir pour l'instant, c'est que tu dois déplacer tes cartes entre le deck et le coffre pour modifier ton deck. Maintenant, voyons comment déplacer les cartes entre le deck et le coffre. Appuie sur la touche X sur la carte que tu veux déplacer. Touche gauche ou droite pour sélectionner la destination de ta carte. Hein, appuie sur la touche gauche, voilà, hop. Après avoir sélectionné la destination, appuie sur la touche X une nouvelle fois pour déplacer ta carte. Après, je sais pas si je fais les decks en caméra ou pas, hein, on verra, hein. Ça prend du temps. Après avoir sélectionné la destination, appuie sur la touche X une nouvelle fois. Essaye de déplacer une carte par toi-même grâce à la mission. La carte que tu déplaceras sera mise en... Sa peine initiale après ton tutoriel sera finie. Tu peux donc choisir n'importe laquelle carte. Oh bah allez, on va prendre avion. Voilà, c'est fait. Maintenant, comment on s'en... Tu vois, déplacer une carte n'est pas si compliqué. Bah, ben ça je... En déplaçant ainsi les cartes entre le deck et le coffre, tu peux modifier ton deck. A chaque fois que tu achèteras ou recevras de nouvelles cartes, elles seront ajoutées au coffre. Si tu veux utiliser... Les utiliser pendant un duel déplacé depuis coffre jusqu'à ton deck. Il existe plusieurs règles concernant les cartes que tu peux avoir dans ton deck. Un deck doit contenir entre 40 et 80 cartes. Il ne peut y avoir plus de 3 cartes du même nom dans un deck. Un deck ne peut pas contenir de cartes interdites. Seule une carte limitée peut être incluse dans un deck. Seules 2 cartes semi-limitées peuvent être incluses dans un deck. Faut que je me souvienne. Si une de ces règles n'est pas respectée, un message d'avertissement s'affichera. Ah, moi ça se souvient. C'est tout pour l'instant. Ça le duel, on l'a vu. Hein, je passe, hein, désolé. Mais... Lorsque tu acquiers de nouvelles cartes, il est conseillé de les ajouter à ton deck et de les essayer pendant un duel. C'est la façon la plus rapide de devenir un dueliste de première classe. C'est tout pour la modification de base du deck. Maintenant, voyons les différentes catégories de l'écran modification du deck. Attends, mais... Pêche-toi, moi j'ai envie de finir ça. Tout d'abord, le nom du deck, il s'agit du nom de deck que tu utilises. Puis les cartes, il s'agit du nombre total de cartes que tu possèdes dans ta collection.
Le contenu du deck permet de voir les types de cartes sans le deck. Le nombre sur l'onglet indique le nombre de cartes. Les icônes sur chaque onglet représentent l'ordre dans lequel les cartes sont classées. Je me dépêche. Ici, les cartes sont classées par ordre alphabétique de A à Z. Maintenant, voyons voir les cartes. Tout d'abord, le nom de la carte, puis les informations sur la carte. Bon, ça, tout le monde connaît, hein, de façon. Donc, tu peux savoir où la carte se trouve et combien d'exemplaires y ont été placés. L'ordre de la gauche vers la droite, deck, deck secondaire et coffre. Les cartes interdites, limitées et semi-limitées possèdent des icônes. Voilà. Voilà comment visualiser l'écran. Il y a beaucoup d'informations à retenir, mais en les utilisant correctement, tu pourras modifier ton deck plus efficacement. Voici quelques infos pratiques. Sois sûr de sauvegarder ce que tu viens de modifier ou tu seras perdu. Dirige-toi. Point de sauvegarde sur la carte pour sauvegarder. Ouais, ben, je voudrais y aller là. Ouais, bah ça on verra plus tard, hein, parce que là je voudrais peut-être un peu sauvegarder. Quand même, parce que je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je crois que je vais la couper en deux. Ah là 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 là. Je ferai le deck hors caméra, je pense. Hein, on va se concentrer sur l'histoire, je pense que ça sera pas mal. Et je pense que pour la prochaine vidéo, je vais me tenter un petit duel, un vrai petit duel, parce que j'en ai marre des cours. Alors, hop. Bon, maintenant, désolé, mais j'ai pas envie de causer. Toi, qu'est-ce que tu veux parler? Fait, hop, ça fait un moment que le cours est fini, tu sais. Ouais, tiens, on va parler de loisirs à Kadam. Ah oui, j'ai un truc à te dire. Tu as bien parlé. Ah, attends, il n'y a plus personne. Où les autres? Ils sont déjà barrés. Allez, on sort, on va aller faire la petite sauvegarde. Pour l'instant, alors, triangle, point de sauvegarde. Sauvegarder les données système, oui. Remplacer, oui. Bon, oui, tiens, allez hop, hein, on va retourner l'écran titre. Hein. Au moins, j'ai sauvegardé, je vais pouvoir vous laisser maintenant, les petits amis, parce que je pense que déjà la vidéo est pas, elle doit pas être mal longue. Donc, je vais faire en sorte de vous couper l'épisode en deux pour que ça soit pas trop long à voir. Mais c'est surtout pour moi que ce soit plus facile à uploader. Donc, au moins, voilà. Je pense que couper en deux, ça sera plus pratique, parce que là, je me demande si je suis pas loin de 40 minutes de vidéo. Donc, je pense que ça va pas être mal de couper. Donc je vais regarder tout ça au montage, ne vous inquiétez pas, je le dis, mais vous aurez les deux épisodes de ce jour, deuxième jour de classe, en une seule journée, sur le jour de jeu de cartes. Oh là, attendez, ouh, je vais pas remettre le générique. Pousse-toi, je veux pas le générique. Voilà, je le coupe, désolé. Bon bah voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao les amis.